J'aimerais me payer un sub. Ça se voit que tu dis pas ça pour prendre à pitié les gens qui offrent des subs et qu'on t'en offre un. Ça se voit, je sens ton honnêteté là. Moi aussi, MD. Vous êtes vraiment spoté à 1000 km quoi. Oh là là, j'aimerais tellement avoir un sub. En plus, ma mère est malade, malheureusement. C'est dommage, je n'ai pas l'argent pour la soigner. Mais un sub me servirait à résoudre ses problèmes. Vous avez vu quand ça fait... Quand ça se balaye comme ça, j'essaye d'améliorer gentiment, tu vois. Mais un maximum de flammes dans le chat pour la transition, s'il vous plaît, c'est maintenant. Enfin, si mon jeu veut bien se lancer, attendez, j'attends. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Animal Crossing. C'est parti. Attends. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Animal Crossing, c'est parti. Alors, j'ai essayé de faire un truc. Vous savez, quand je banne des gens dans le chat, en fait, je vous explique. Vas-y, je vais vous raconter tout de A à Z. Je voulais faire une scène pour quand je bannis quelqu'un. Je voulais faire une scène pour bannir les gens, tu vois. En gros, je voulais dire, ah, je vais vous bannir, appuyer sur un bouton et que je sois en Denis Brognard et que j'éteigne le flambeau. J'ai passé une heure, c'était de la merde. J'ai abandonné l'idée du coup. Les gars, j'ai pas joué depuis longtemps. Oh, maman. Je suis full débile. Je viens vraiment d'avoir une seconde à me dire, c'est ma vraie maman. Ça me paraît pas possible. Je vous annonce, ça fait combien de temps, les gars, que le jeu il est sorti là? En vrai, ça doit faire un petit moment, je pense. J'ai toujours pas eu un AV. J'ai toujours pas vu un AV, je sais même pas comment c'est, genre. J'en ai aucune idée. Accord du Minecraft, bah, j'en ai fait il y a pas longtemps, Amel. J'en ai fait avant-hier. Ah putain, il m'est arrivé un truc. Ils ont sorti un truc avec RTX pour faire des graphismes de ouf et tout. Et j'ai racheté le jeu du coup parce qu'il fallait l'acheter sur le store Microsoft. Donc j'ai repayé 30 balles le jeu. Et pour finir, ça marche pas. Ça fait mal au cœur parce que j'ai pas la bonne version de Windows. J'ai Windows 10, mais pas le bon Windows. Bref, du coup, j'avais un peu le seum, je vais pas vous mentir. Oh, bah Ruby, qu'est-ce qui se passe? Attendez, c'est pourquoi il y a eu autant de ban? Je vais utiliser le raccourci que j'ai. Ah, j'ai un truc sous les chaussettes, dégueulasse. Je vais utiliser mon raccourci pour mettre en sub only. Hop là, ça ferme sa gueule là. Je vous ai dit, j'ai bien paramétré mon truc, hein. J'ai paramétré mon petit stream deck là. Quand je veux, la plèbe, ça ferme sa gueule. Allez, c'est bon, vous pouvez reparler, la plèbe. Je désactive le bouton. On va mettre ça juste voir si c'est beau ou pas. Ok, on va dégager ça et on va le vendre. Je vends cette merde de robe. Elle est horrible, gros. Elle est vraiment horrible. Je vois pas du tout le cross. Oh, il est trop moche. Il me le faut absolument. Oh, gros. Je le veux dans mon équipe. Bah, alors lui, il est pas beau. Ses gros sourcils, pour ceux qui ont la rêve. Tu parles d'un certain monsieur dans Naruto? Si oui, peut-être. Il y a un petit air. Tout petit air. Ah, merci du fond du cœur. Je t'avoue que là j'ai un nouveau projet. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ok? Je regarde globalement 3 streamers sur la plateforme, dont un à 90% qui est Sardoche. Bah, il a fait 2 jours quasiment, on peut le dire, un jour et demi de live, à modéliser sa maison au bord du lac, genre la maison de ses rêves. J'avais déjà envie d'avoir une maison. Il m'a donné 1 milliard de fois plus envie d'avoir une maison qu'avant. Donc là mon projet maintenant, il a changé, les amis. C'est plus avoir un studio. En fait, finalement, je veux une maison moi aussi. C'est stylé. Je veux une maison aussi. Merci Popo, du coup ça ira dans les économie pour la maison. L'influenceur influencé. De ouf. Bon, après, tout le monde rêve d'avoir une belle maison et tout, tu vois. Mais là, j'avoue que ça m'a donné vraiment envie. Genre, je voyais le truc et je me disais, putain, mais moi aussi, en fait, j'ai envie d'avoir une maison dans ma vie. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Et je voulais mettre ce truc. Oh mon dieu. Je voulais mettre l'alerte. J'ai pas pensé, putain. Attends, je vais me marquer, gros. Faut que je me la mette en alerte sur quelque chose, ça. Oh mon dieu. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Avec cette vidéo. Oh là là, mais internet, c'est trop drôle, en fait. Comment on aurait fait s'il y avait eu le confinement sans internet? Putain de merde, la Pokémon, la tueuse. Coucou Linka, tu fais des îles ce soir? On va essayer de faire une île aux tarentules. Il y a le mec qui y a Tuffer sur l'île. Tuff te propose un smic. Supprime pas, gros, vraiment. Tiens, regarde Tuffer, je vais te montrer ton équivalent sur l'île. En vrai, c'est le PNJ le plus stylé du jeu en plus. En gros, il y a le PNJ le plus stylé du jeu et il te rend riche. Il s'appelle Jason. Merci gros de... Association Linka. Merci de donner à mon assos. Économie pour avoir une maison dans sa vie. Cheveux verts, c'est pour quand? Non, en vrai de vrai, je trollais tout à l'heure, mais je les ai eu les 1500 subs. Du coup, je vais jouer le jeu, hein. Je vais me faire une teinture vert fond vert pour disparaître quand je stream. Ça me casse les couilles, mais je la ferai dès que je peux, quoi. Calme-toi, Marie. Tu applaudis sans que tes mains se touchent. C'est pas normal, c'est creepy. Non, je l'ai pas vu, non, putain, je sais plus comment on fait pour rattraper en retournette. Ok, j'ai rien dit, je sais comment on fait, c'est fait exprès, c'était le talent, ça. Nice, putain, en plus j'ai mal visé, hein, ça on le dira pas. J'aimerais bien que ça s'enchaîne de ouf, qu'on aille voir Jason. Oh putain, je l'avais pas vu, mes yeux me font défaut une fois de plus. Let's go, mais attends, mais là on a une strat incroyable là par contre. C'est quoi ça, c'est une tarentule? Non. Oui, tarentule. Non. Oh, quel épouvantable malheur. Ça va être à l'aveuglette, les gars. Let's go. Et ce chat qui est recouvert de cucambré. C'est la pire. Cette émote, c'est vraiment la pire idée d'émote. Mais c'est drôle. Alors, les arachnophobes, là, qu'est-ce qu'on dit? Arachnophobes en sueur. Pleure, ça vous dit bien.
Ça me dégoûte, je hais les araignées. Mais c'est dans un jeu, putain. Je comprends pas. Après, j'ai pas particulièrement de phobie. À part le fait d'être un peu claustro sur les bords. Et encore, quand je fais des jeux vidéo où je dois passer dans des endroits un peu exigus et tout, bah, je m'en bats les steaks, quoi. Ça me fait absolument aucune sensation d'étouffement, tu vois. Donc, je vous comprends pas. Mais d'accord. Donc, RIP. Désolé pour vous. Comment t'as eu les tarentules? En gros, c'est un truc. Bah, ça va te paraître bizarre, mec. Hein. En gros, faut que IRL, genre dans la vraie vie, t'ailles faire bouillir de l'eau, tu fasses une infusion, que tu laisses infuser 7 minutes. Je sais pas comment ils ont fait les développeurs, c'est un truc de ouf. Genre, vraiment, je ne cherche pas de logique. Faut que ce soit une infusion maison du monde. C'est obligatoire, genre. Il faut que vraiment que ce soit maison du monde. Et si tu fais une infusion, genre. Comment elle s'appelle déjà? Jardin tropical, je crois. Tu fais ça, infuser 7 minutes, et ça marche. Let's go. En fait, quand elle saute, il faut que je la prenne. C'est juste ça, en fait. Apparemment, c'est horrible. Moi, j'aime bien. Je trouve ça hyper fascinant, genre. Je trouve ça vraiment joli. Si vous voulez, en fin de live, on ira regarder un documentaire sur l'araignée la plus grosse du monde. L'autre fois, je suis passé sur un live de Ponce et j'y suis allé au moment où il regardait justement un documentaire sur les tarentules. Et c'était hardcore. Franchement, même moi qui crains pas, je devant le truc, j'étais là genre en mode oh, c'est pas j'ai envie de partir, quoi. Tu vois, j'ai vécu le truc moyennement bien. Surtout le moment où elle a pris un putain de gros crapaud et qu'elle plantait ses crocs dedans là. Bah après, je veux pas dégoûter les arachnophobes, hein, mais qu'elle plantait les crocs dans la chair pour le paralyser définitivement et provoquer sa mort. Je quitte ce live, c'est bon, j'arrête de vous trigger, désolé. L'histoire du fantôme à kékette tordue. Je me rappelle pas, mec. Les fantômes ont pas de kékette. Comment tu sais ça, toi? Non, mais les fantômes ont pas de kékette, bah, prouve-le, vas-y. Prouve-le, mec, que les fantômes ont pas de tub. Moi, je suis sûr du contraire, tu sais quoi. A plus, un cas, je vais dodo. A plus, Bastien, t'es pas obligé d'écrire en majuscule pour me dire quelque chose. J'ai l'impression que tu me cries dessus, du coup. Mais à plus, gros. Barco, Mamolk. Cette phrase, elle est con, genre. Je sais pas d'où ça sort, ce truc. Tout le monde le dit. Et à chaque fois, ça me fait rire. Oh non, 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 j'avais pas vu. Putain, j'ai pas le temps, je pense, de me retourner. Oh, let's go. Putain, le boss. Je suis pas à me jeter des fleurs, mais qu'est-ce que je suis excellent. Merci, Adèle, pour le 100 bits. Let's go, l'Inkat Suki. Je sais pas si quelqu'un l'avait déjà fait là, mais je suis pas peu fier. Oh, attendez, j'anticipe, je mets le summon. Ça va faire des blagues de merde avec mon pseudo là. On va, voilà, on les calme avant, on leur coupe l'herbe sous le pied. Avant qu'ils commencent à faire des jeux de mots. Là. Faites des jeux de mots chez vous, allez-y, amusez-vous bien. Putain, ce raccourci sur le stream deck, c'est le meilleur que j'ai mis de ma vie. Hein. Il est incroyable. J'ai jamais autant pressé un bouton là. Venez, on reste entre gens fortunés là un peu. As-tu un gros chib? Non, Anto, moi j'ai un problème de naissance, genre, qui fait que je sois actif ou passif ou ce que tu veux. C'est toujours genre la moitié de la. Enfin, la moitié du doigt. Ça arrive à là à peu près. C'est comme ça, c'est chacun son truc, tu vois. Après, moi je suis. Ça, franchement, ça m'arrange. C'est plus pratique pour plein de trucs. Donc, les gars, j'ai fait une émote not like this. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Si je choque une tarentule, vous pouvez le mettre, l'utiliser. Histoire que j'ai pas l'impression d'avoir jeté mon argent par la fenêtre en faisant cette émote, s'il vous plaît. Après, en vrai, je l'ai un peu faite pour moi, cette émote. Je m'en sers tellement de cette émote que rien que pour moi, elle est utile. Non, moi, oh, gros, c'est pas possible. J'ai choke. Oh non. Oh non. Pas comme ça, not like this, là. Putain, le choke. Ça le fait? Alors, elle est bien faite? Ah, là, je suis content. Là, tu vois, là, je suis content d'avoir investi mon argent. Vous rendez compte? Là, vous rendez pas compte, je pense. L'investissement démesuré que ça représente. 15 euros, pas 5. Et voilà, je dis de la merde et je vais encore choke. Putain, mais c'est pas possible. Avec cette astuce, vous allez tous devenir riches sur Animal Crossing. Je vous ai montré l'exemple, je vous ai tiré vers le haut et c'est aussi pour ça que vous me suivez. C'est parce que moi je tire la commu vers le haut, quoi. Les sommets de la richesse en clochette. Oui, parce qu'en termes de richesse personnelle et tout, bon, on est juste des vieux geeks et on a pas de vie, tu vois. Mais sinon, sur le jeu en tout cas, on cherche l'excellence. Mec, 3h45 de live, j'ai bu sans qu'on me le dise. Ah, vous voulez voir l'heure? Il est minuit 46. Je me demande de la date qu'il est. Hop, on doit être le 17 avril, je pense. Ouais, c'est ça, 17 avril, ok. Fuck! Non! Elle est tombée dans le trou! Oh non, la vie de ma mère, mais gros! Bon, là, on a créé notre virage, il nous faut juste une tarentule. Pourquoi je fais ça? Pas besoin. Laissez-moi faire des stratégies. Putain, c'est pas possible. Une piste de décollage, j'avoue. Oh! Merde, j'ai ban-def quelqu'un sans faire exprès. Attendez. Je crois que j'ai ban-def quelqu'un. Il faut des bans QVP Titan. Je voulais ban-def un mec, je suis désolé. Vous pouvez l'unban QVP Titan. S'il vous plaît, les modérateurs, je suis vraiment pire. À chaque fois, le chat, il défile. Et du coup, je ban les mauvais sans faire exprès. À 2000 subs, je donne 5 euros à une association. C'est trop drôle à quel point ça, tu fais ça premier degré, mais les gens, tu te fais insulter, je pense. Alors, on va se faire de la thune. J'avoue, allez, les gars, à 2000 subs, je donne 4 balles aux enfants du désert. C'est une association qui donne aux enfants malades et tout, et ça leur permet de faire des activités. Et je m'étais dit que ça serait vraiment cool de ma part, une fois que j'ai gagné 10 000 euros de subs, de leur filer 5 euros. Du coup, voilà, c'est mon objectif pour les 2000 subs. J'espère vraiment que vous apprécierez. Je sais que c'est énorme et que ça représente beaucoup. Je veux pas après que non plus qu'on soit là.
à vanter mes mérites, qu'il y ait des louanges qui pleuvent de partout, à dire je suis un homme bon, je suis un homme bon. C'est franchement, je trouve que c'est vraiment, bah c'est mérité en fait. C'est mérité et tu vois, ces pauvres enfants, ils méritent pas ça. Donc je m'étais dit, je vais vraiment leur donner, je me dis 4-5 balles. Comme ça, ils peuvent aller, tu vois, il y en a un, il pourra aller se faire un grec. Et je pense vraiment que ça lui redonnera du baume au cœur, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis un mec en or, ouais, merci, merci le chat, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir, t'es un homme bien. Putain, merci les gars.